Je parle d'une jeune thérapeutique, les jus de fruits et légumes frais et crus et les lavements intestinaux pour notre santé globale. Suivez-moi si vous voulez vraiment apprendre plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma salade. Montrer, des fois, on a envie de changer un peu de salade parce que la salade la plus mangée, c'est les salades vertes. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ceci parce que de temps en temps, moi, je le fais moi-même pour manger et pour un peu changer la différence, quoi. Donc, moi, je me suis râpé de carottes et j'ai pris un petit cas de chou rouge, et je fais les oignons blancs et deux branches de céleri. Et là, je n'ai pas encore fait de sauce, hein. J'ai ma moutarde, la moutarde au miel. Et le vinaigre de cidre. Et j'ai mon huile, normalement c'est l'huile d'olive, je n'en ai pas, ou le colza. Et puis j'ai l'escargot. L'estragon. C'est souvent l'escargot frais. Mais là, je le sèche. Et là, je vais faire la sauce, hein. Après, je vais vous montrer le résultat, quoi. À tout à l'heure, les amis. J'ai terminé à préparer la sauce, hein. Donc, j'ai mis une cuillère à soupe d'estragon. J'ai mis aussi, j'ai poivré à ma convenance, hein. J'ai mis 3 cuillères de moutarde au miel, et j'ai mis vinaigre. J'ai déjà rangé 2 cuillères et 2 cuillères d'huile d'olive. Alors, j'ai mis l'estragon avant dans la sauce parce que comme elle était c'était le sèche, ce qui est séché, donc il faut mettre les frais. En ce moment-là, il faut le couper et mettre dans la salade une fois. Maintenant, je vais d'abord mélanger. Je me suis ajouté 2 pommes, hein. 2 pommes, j'ai pelé 2 pommes, je me suis ajouté parce que je voulais le faire comme ça. Je vais d'abord arroser l'oignon. L'oignon et le céleri. Je les arrose d'abord, je mélange. Je mélange. Ça, je mélange. Je mélange. Et maintenant, j'ajoute les autres ingrédients. Mets la carotte. Ça peut être pour 3 personnes, 2 carottes, un quart de chou. Peut être pour 3 personnes. Ça va me faire deux repas. Je vais peut-être manger jusqu'à demain. Parce que ça tient bon, hein? Ça tient bon. Et je vais finir à mettre la sauce, hein? Ce n'est pas pourtant comme la salade verte quand on met la sauce. Il faut le manger tout de suite. Ça, c'est
sûrement autre chose. C'est ça là, mes amis. Vous savez que je vous cache rien. Je vous montre toujours, toujours mes petites recettes. Mes petites recettes. Voilà. C'est terminé et je vais le manger. Attends, je vais goûter une petite partie là. Bon appétit à vous si vous avez aimé, hein. Vous pouvez le faire comme moi. Si vous n'avez pas de pommes, vous n'y mettez pas.